Bienvenue dans mon studio. Donc, vous aviez réservé une séance pour que je dessine votre portrait, c'est ça? Ok. Vous avez choisi le format A5, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai ma feuille avec mes crayons, évidemment. Je repasserai au feutre noir une fois que j'aurai fini le croquis. Que ce soit plus propre. Et j'ai juste ramené mon petit mètre pour mesurer rapidement votre visage pour avoir les proportions. Ok. Donc voilà. Pour ce qui est de la séance, c'est très très facile pour vous. Vous n'avez qu'à rester assis et me regarder et essayer de pas trop bouger. Ok. Super. Donc, je propose qu'on commence. Juste mesurer la largeur et la longueur de votre visage, d'accord? C'est juste pour me donner une idée au niveau des proportions. Mes crayons et je vais commencer par faire juste le contour de la tête. Ensuite, je trace mes repères, donc la ligne du milieu du visage, et là, comme ça. Ensuite, je mesure la hauteur de votre front. Le milieu du visage. Je regarde l'écartement de vos yeux. Okay. Je vais prendre la longueur de votre nez. Avec mon mètre. Ok. L'écartement avec la bouche. La taille de votre menton. Ok. Parfait. Je vais maintenant faire le croquis de chaque.
Je vais faire vos yeux. Sourcils. Ok. Maintenant, je vais m'attaquer aux cheveux. Les cheveux de chaque côté. J'ajoute les détails. C'est pas mal du tout. Je vais le repasser au feutre noir. Je cherche mon crayon noir. Ah, là voilà. Et je vais repasser le portrait au crayon noir. Ok. C'est parfait, hein. Vous êtes un très bon modèle.
savait parfaitement rester immobile. C'est pas le cas de tout le monde. Ok, donc je repasse. Je vais gommer les traits un petit peu du croquis pour que ça prenne pas trop. On voit mieux les traits noirs. Ça vous plaît? Ouais. Cool. Faut lire autre chose? Non? Ok. Bon voilà. Si jamais vous voulez refaire un portrait ou si vous voulez faire d'autres projets artistiques, vous pouvez tout à fait revenir me voir. Ok. Bon, bonne journée. Au revoir.